ce départ. Essaie de gagner des places maintenant. Voiture de sécurité virtuelle. Voiture de sécurité virtuelle. Réduis ta vitesse immédiatement et maintiens ton indicateur delta positif. La voiture de sécurité virtuelle a été déployée. Ralentis et maintiens un delta positif. Il y a eu un incident et il y a maintenant pas mal de débris sur le circuit. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Bien sûr. Stand à la fin de ce tour. Rentre au stand à la fin de ce tour. La voiture de sécurité virtuelle rentre. Garde ton rythme jusqu'au drapeau vert. Attends bien le drapeau vert. Et il y a du mouvement dans les stands. Les mécaniciens sont sortis du garage avec pour mission de réaliser l'arrêt le plus rapide possible. Il ne reste plus qu'un arrêt, plus qu'un seul arrêt. DRS autorisé dans ce tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. On va tirer parti de l'énergie générée. Utilise la touche dépassement. Pris trop de liberté avec les limites du circuit. On a reçu une pénalité de 3 secondes.
dernière position. De Vries est devant toi. Sa voiture a de nouvelles gommes tendres. La fenêtre d'arrêt au stand ne s'ouvre pas avant plus de 20 tours. Drapeau bleu. Agitez, creuse l'écart et laisse passer la voiture de derrière. Ok, suite à ce qui vient de se passer, on va peut-être changer de stratégie de course. J'ai plusieurs choix à te proposer, alors surveille bien ton AMF. Retour à la normale. Drapeau bleu, drapeau bleu. Hey, ça va? C'était pas beau à voir. Confirme-nous que tu vas bien. Alors que les pilotes quittent leur monoplace, Red Bull se prépare à célébrer cette superbe victoire comme il se doit. Jacques Villeneuve, quelle victoire écrasante aujourd'hui! Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence?